toucheront en fer blanc. C'est pas moi le méchant dans l'histoire. Vous êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser? Pourquoi? Pourquoi? Je suis censé. Oh merde, j'ai les crocs.
Ok, ok, je veux seulement passer. Vous êtes barges, les gars. Gardez cette balle spécialement pour toi. Bûcheron en fer blanc, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. Trop vieux pour vous déguiser. Non, de... Oh, génial. Implore ma pitié. Ok, ok, je veux seulement passer. Vous êtes barges, les gars.
bordel de merde. Suis-moi. Allez. Je suis censé être intimidé par des tarés comme vous. Parce que je le suis un peu. Nous serons en fer blanc. C'est pas moi le méchant dans l'histoire. Fais tes prières! Vous êtes pas un peu trop vieux pour vous déguiser ?
Ok, je veux seulement passer. Vous êtes barge, les gars. Oh, allez. Intimidé par des tarés comme vous, parce que je le suis un peu. Une apocalypse s'il n'y avait pas quelques bargeaux! Normal. Vic avait l'air de penser que l'épidémie a débuté à l'entrée principale de la galerie. Je vais aller jeter un œil. Oh, génial. Vraiment!
de nos merdes. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas terrible. Je parie que j'ai tué tous ceux qui connaissaient le code d'accès. J'en reviens pas de l'utilité de ce filtre. Ça devrait pas être trop compliqué.
Merde, j'hallucine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces enfoirés de soldats enquêtaient sur ce qui s'est passé ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens devaient tous faire la queue pour les soldes du Black Friday. Finalement, ils auront payé le prix fort. C'est pas l'œuvre des soldats, et sûrement pas celle des zombies. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'y crois pas. Ça fait des semaines que je voulais entrer ici, moi, putain!
Hé, qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici! Du calme, mon gars, il y en a pour tout le monde! Hé, toi, c'est ma scène, casse-toi! Oh, vous êtes Frank West, le héros de Willamette! Moi, c'est Darcy. On devrait travailler ensemble, vous savez. Partager l'histoire. Ok. Non, mais sérieux, hein? Eh, faut que vous rencontriez ma copine, mon éditrice, je veux dire, Paula. Elle diffuse un podcast hyper populaire. Elle enquête sur les gars d'Obscuris depuis des semaines. Obscuris, c'est le nom de ce groupe? Ouais. Paula sait tout sur eux. Tu sais quoi? J'aimerais bien rencontrer ta copine, en fait. Où je peux la trouver? À la mairie, dans Old Town. Ouais, allez lui parler, hein. J'ai hâte de voir sa tête quand elle saura que Frank West travaille pour nous. Oh, putain. Ouais, ça serait vraiment génial. Au revoir. Eh ben, Willamette, tu n'en finiras jamais de me surprendre. Ce type-là, Brad Park, directeur de la ZDC, annonce qu'une épidémie vient d'éclater à Willamette, et la petite Vicky Chou est déjà sur place pour couvrir l'affaire. Mon affaire. Bref, on survole Willamette, boum, on se prend une roquette. Très vite, j'apprends deux choses. Primo, ça fait plusieurs foutues semaines que Vic est là. Elle enquête sur un groupe paramilitaire et des événements à l'entrée de la galerie marchande qui, et j'en viens à mon deuxième point, se révèle être la chose la plus atroce, répugnante et étrange que j'ai vue de ma vie. Des images qu'il est inconcevable de publier en une, pour la plupart des canards. Bref, les obscuristes ne sont pas tout seuls en ville, mais ils font pas dans l'humanitaire non plus. Alors en route pour Willamette. Je découvrirai peut-être ce qui mijote et qui tire les ficelles. Je croise les doigts. Allô? C'est Frank West, le sauveur de Willamette? Oui, mais on m'appelle aussi Trou du cul ou Frank qui? Moi, c'est Paula, comme dans l'évangile des zombies selon Paula. C'est mon podcast sur les zombies. Darcy m'a filé votre numéro. Oh, d'accord. Donc il paraît que tu as quelque chose pour moi. Ouais, retrouvez-moi au service des archives de la mairie. La porte est derrière. Venez seul, Frank. D'accord? Bon sang, mes fans sont dérangés.